Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le dernier message de cette semaine. Nous sommes le vendredi 4 octobre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, petite philosophie du matin, cette belle pensée de ce 4 octobre, cette pensée positive, loin du désordre. Évitez de vivre dans le désordre et la confusion. Un bureau mal rangé n'incite pas au travail. On y cherche ses dossiers, on ne comprend plus les messages griffonnés à la va-vite sur des bouts de papier. On perd du temps, on s'énerve car l'on se sent mal dans son environnement. Sait-on que, dans notre inconscient, un objet qui n'est pas à sa place provoque un stress? Eh bien, plus une pièce est en désordre, plus ceux qui s'y trouvent sont irritables. Mettre de l'ordre, n'est-ce pas, dans son espace vital, c'est important. Ranger les objets, c'est ranger sa tête. On en ressent immédiatement les bienfaits. Et bien voilà pour la petite pensée positive de ce matin. Et pour terminer cette semaine, j'ai pigé la carte 44. Ne fais pas semblant d'être heureux quand tu as mal, mais ne fais pas semblant d'avoir mal pour que l'on te rende heureux. Et bien, l'image a un masque. Vous mettez peut-être un masque, n'est-ce pas ? Qui n'est pas vous, c'est pas vous sincèrement. Il serait peut-être bon d'enlever ce masque. Côté professionnel, ne fouillez pas votre travail sans faire la part des choses. Ce que vous prenez pour une remontrance contre vous, eh bien, c'est peut-être pas le conseil donné pour l'ensemble de la société d'où vous travaillez. Alors ne restez pas dans votre coin à ruminer. Éclaircissez ce doute qui vous envahit. Allez demander, n'ayez pas peur. Allez demander, c'est peut-être pas contre vous cette remontrance, c'est peut-être pour toute la collectivité. Mais il serait bon de mettre ça en lumière. Pour que vous soyez apaisé. Question finance, rien ne peut justifier des dépenses pharaoniques, n'est-ce pas, si vous êtes déjà dans la peur du lendemain. La peur engendre la peur. C'est le moment d'arrêter, de vous justifier auprès des autres et de prendre conscience de votre fonctionnement face à l'argent. Vous avez peut-être des difficultés, n'est-ce pas, avec l'argent. Donc, questionnez-vous. Sentimentalement, la communication est la base la plus importante d'un couple. Oui, je ne cesse de vous le dire, n'est-ce pas? C'est très très important, la communication. Et elle est importante si elle est claire et juste. Et ne parlez pas sans cesse d'une histoire difficile de votre passé pour justifier votre mal-être. Car elle assombrirait votre histoire aujourd'hui. Donc, vous êtes dans une situation amoureuse, dans une nouvelle situation amoureuse, arrêtez de ressasser ce qui vous avez vécu. Vivez le jour, communiquez. Communiquez ce que vous avez peut-être vécu, mais voilà, ce que vous aimez, ce que vous voulez, est-ce que vous ne voulez plus à l'heure actuelle, présentement? Ayez ce dialogue clair et juste, mais arrêtez de ressasser, n'est-ce pas? Et pour terminer, côté spirituel, votre chemin vous appartient, n'est-ce pas? Et fait de vous une personne unique. Ne vous oubliez pas. À trop vouloir aider les autres, vous passerez à côté de vous-même.
Soyez un peu plus centré sur vos besoins. Cela vous aidera à grandir sur le chemin de la spiritualité. Il est bon, n'est-ce pas, de donner de l'aide, d'être là pour les autres, mais il ne faut pas que ça devienne tout le temps, que vous vous oubliez dans cette histoire, que vous acceptez pour faire plaisir. Non, vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de penser à vous. Vous avez le droit de ne pas vous oublier. Donc, voilà le message côté spirituel. Je tire une carte Ho'oponopono. L'obscurité et l'absence de lumière. Si nous mettons de la lumière dans notre vie, elle chassera les ombres qui nous habitent. Oui, tout à fait. Et mettons toute cette partie ombre que nous avons en lumière, et ça nous permettra de travailler sur cela. Qu'est-ce qui est noir, hein? Qu'est-ce qui est sombre dans notre vie, dans ce que nous vivons, dans nos parties négatives de nous? Eh bien, mettons petit à petit en lumière, hein? Et ça peut être aussi au niveau de notre ego, hein? Mettons de la lumière, hein, et pour trouver un terrain d'entente, un juste milieu avec cet ego. Voilà, ça c'est le message de Ho'oponopono. Je vous souhaite eh bien, une excellente journée, un joli week-end à toutes et tous. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Et puis, pour ma part, je vous retrouve dans une prochaine capsule. Et d'ici là, eh bien, je vous embrasse et je vous dis à très vite.